Hello, c'est Nessendil pour The Horizon. On est dimanche, je m'en vais à l'écurie, il est 10h et quelques là. Attendez, j'allume. Maintenant, 10h51, tranquille, au calme. Je vais aller voir la grande sauterelle, je vais décrotiner son box, la panser, la sortir. Je vais aller voir donc un petit dimanche classique aux écuries où nous sommes actuellement. Je vais pas la travailler, tout simplement parce que là, je viens de faire 3 semaines. Avec ma fille de 5 ans à la maison, confinement plus vacances. J'étais moi-même malade une semaine. J'ai du coup, ces derniers temps, pas travaillé. Ces derniers temps, pas travaillé du tout. On n'a pas avancé du tout. Et comme on déménage dans à peu près une semaine et demie maintenant, même, ouais, une semaine et demie maintenant, et qu'après, il va falloir qu'elle s'habitue à un nouvel endroit, etc. Des nouvelles structures, des nouveaux copains. En plus, elle va être beaucoup plus en contact avec d'autres chevaux. Je vais, voilà, c'est un peu les vacances, c'est un peu le mode vacances et on reprendra un bon coup après. Je sais que vous êtes hyper pressé de tout ce qui concerne le débourrage et la monte, mais pas moi. Donc, j'allais vivre un peu sa vie de cheval. Le déménagement normalement sera filmé, normalement Lee sera là, avec qui j'avais commencé la chaîne. Et voilà, il y a plein de choses à venir, bien sûr. Donc, je vais aller rejoindre ma sauterelle. Et c'est parti pour ce matin. Alors, est-ce qu'elle va montrer son nez? Coucou Jonc. Hacienda. Ça c'est Hacienda. Ça c'est ma fille. Tu m'entends? Coucou ma chérie. Coucou. Coucou ma chérie. Tu t'es encore fait un bobo? Mais c'est pas possible ce cheval. Je vous jure, c'est pas possible. Ça va mon amour? Thank you.
panda, mais il boite le loulou. Donc voilà, je laisse gérer sa proprio qui va arriver tout à l'heure. Un tonton. Du coup, désolé loulou, mais moi je prends pas le risque. C'est ta proprio seulement qui te sort en ce moment. Si tu boites, je gère pas. Surtout qu'Asena va te faire courir. Désolé loulou. Ouais, il sait, hein, il sait que Asena est là le dimanche en général, il peut aller avec, mais. Désolé loulou, je laisse gérer ta maman. Bon, je lui ai mis le reste du foin qu'il y avait dans le filet. Là-bas, elle a son sa pierre à sel, son porte-bonbon. Et on va. Un autre pierre à sel là, oui, je sais, je sais. Mais, de toute façon, celui-là, ça ne sert pas. Et on va décrottiner. C'est parti. Alors là, copine de boxe à Hacienda, c'est toujours ses carottes en même temps. Oui, hein, Fufi, hein, qui râle quand Hacienda sort. Hein, ça fait partie des chevaux qui vont manquer, ça. On arrive sur la piste, personne travaille ce matin. Enfin, on est plutôt en début d'après-midi maintenant. Ça va manquer, hein, mine de rien. Ça va quand même manquer. Et donc, comme je vous avais dit sur Instagram, bah ça y est, c'est vendu. Et ça risque d'être vachement différent. Donc, voilà. Ça fait un petit pincement quand même. Hein. J'ai toujours été ici, c'est ma première écurie, hein, même si c'est un ranch. Première fois que je vais monter à cheval, ça fait quand même bizarre. J'avais prêté ma sangle à une amie que je suis en train de remettre du coup. Et je pense que je vais ramener ma selle à la maison. De toute façon ici c'est super humide, vous voyez elle moisit, c'est super chiant, j'arrive pas à la nettoyer. Donc bon là c'est un mélange de sable et tout ce qu'on veut bien. Ouais non, il n'y a pas que du sable. Du coup, je pense que je vais la ramener à la maison, la graisser un bon coup et la garder à la cave pour le moment. Ma cave est bien bien sèche. On va voir ça. Bon, je commence à ramener quelques trucs petit à petit parce que j'ai tellement de merdier. Je vous ferai une présentation de tout mon matériel une fois qu'on sera réinstallé de l'autre côté. Surtout que je vais avoir une armoire, les gens. Ah, hirondelle. Coucou les filles. Du coup, je commence à ramener. Je regarde ce que je suis susceptible d'utiliser encore. La semaine et demie qui reste et le reste je ramène petit à petit. Donc du coup je ramène tout mon équipement pour cuire et on va voir le reste. Asena s'est fait une copine et elle convient de me dire elle aime personne. Bah c'est bien trouvé. Allez fille. Bah ouais. Ah c'est pas Asena qui va te shooter, va. C'est une bonne fifi avec les poneys. Bah voilà, ah, mon petit duo. Bah, la mienne qui est toujours à ras des fils. Oh là. On va encore se prendre une châtaigne. De retour dans la voiture après quelques heures avec mon poney. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres, surtout au nouvel endroit où on sera. Je pense que je filmerai beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que vous allez voir, c'est quand même... C'est beau, c'est vert, c'est plein de nature. Vous allez voir, on va voir à mon avis plein d'animaux et tout. Ça va être trop bien, il paraît qu'il y a même... L'année dernière, ils avaient un petit cerf, ils avaient un chevreuil qui venait, qui passait la journée avec les chevaux. Ben, ça va être génial. Du coup, voilà, c'était court. Il y avait plein de monde. Moi, j'en ai profité pour papoter un peu avec les copines puisque, bah voilà, tout ça va devenir un peu compliqué. Après, on s'éparpille tous un peu. Vu que bah, c'est vendu, donc il n'y a pas le choix. Donc,
la suite au prochain épisode. Voilà, moi j'ai des sandwichs. C'est parti, on mange un peu tard, mais c'est pas grave. Papa, y a bientôt tout le monde.